débat autour de ce thème important. Je pense qu'on parle fréquemment de la problématique du financement, mais on entend beaucoup moins débattre de l'épargne, alors qu'on constitue un préalable. L'importance de l'épargne pour l'investissement et la croissance n'est pas à démontrer. Son niveau et sa structure affectent le coût du financement et donc la dynamique de l'investissement. Son insuffisance peut conduire au recours au financement monétaire ou extérieur, et dans les deux cas, à l'accentuation de l'endettement du pays et donc à la vulnérabilité de ses équilibres macroéconomiques. Les épisodes vécus dans les années 80 par plusieurs pays en développement, dont le Maroc, constituent l'illustration d'une telle situation. La conférence organisée aujourd'hui par la Caisse de dépôt et de gestion et le Barid El Maghreb est organisée à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'épargne. C'est une conférence qui va réunir un ensemble d'experts marocains et étrangers pour échanger et partager leur expérience et leur expertise dans le domaine de l'épargne. Donc ça va être un espace d'échange et de partage et qui va déboucher certainement sur un ensemble de recommandations qui vont surtout dans le sens, de la sensibilisation, la nécessité de sensibiliser les citoyens pour épargner parce qu'on constate que le taux d'épargne reste stagne ces dernières années et reste très bas par rapport à d'autres pays. Donc il est impératif aujourd'hui, que ce soit pour les pouvoirs publics, pour les acteurs économiques, pour les médias, pour tous les responsables concernés, de sensibiliser et de mobiliser davantage l'épargne, parce que c'est aussi important pour les personnes, mais également pour financer l'économie du pays, parce qu'une bonne partie de l'économie du pays est financée par l'épargne. Et donc aujourd'hui, ça va être également l'occasion d'annoncer un nouveau produit intitulé Sakan Taufir. Ce produit est destiné à une population qui ne dispose pas d'un revenu fixe. L'objet, c'est un, de diversifier un petit peu les produits de l'épargne. Et ça également, c'est un axe d'effort. Ce que le Maroc doit faire plus d'efforts pour proposer une offre diversifiée en matière d'épargne, mais donc pour encourager cette population à épargner et pour lui permettre à l'avenir de construire ou d'acquérir son logement. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هيث بريس.